Danny, tu risquais pas de m'entendre. Une nouvelle cassette ? Star-Lord ? C'est qui, lui, avec les yeux effrayants ? Il a pas de nom. C'est un ranger de l'espace. Et en vrai, il est pas effrayant. Il est cool. Il doit pas chômer, ton ranger de l'espace. Truc de narvalo ! Plus personne dit ça aujourd'hui, maman. Maman, plus personne parle comme ça aujourd'hui. Eh bien, ta mère, si. On pourrait peut-être se trouver des places pour les voir en concert. Sérieux ? Mm-hmm. On dirait peut-être pas comme ça, mais ta mère était une rockeuse à ton âge. Avec ton père, on s'allongeait sur le capot de ma vieille Chevy et on se mettait du Black Sabbath. T'écoutais Black Sabbath ? Je te l'ai dit, ta mère est plus cool que tu penses. Oh, on regardait les étoiles et il me parlait des endroits qu'il avait visités. Maman. Est-ce que tu veux un peu de gâteau ? Ouais, j'arrive dans une minute. Tu m'as dit ça il y a un quart d'heure. Si tu ne te presses pas, j'engloutis ce gâteau à moi toute seule. Non, t'oserais pas. Tu me connais mal. Non, t'oserais pas. J'hésiterais pas. Hé, mes cheveux. On a déjà parlé de tes jouets qui traînent par terre. C'est pas un jouet, c'est une figurine articulée. Une charcuteuse de pieds, oui. Attaquer tes pieds, je vais. C'est pas lui qui... Non, laisse tomber. 13 ans, dis donc. Un jeune homme. Ça passe si vite. Ouais. J'arrive dans une minute. Très bien. Je te le promets, t'inquiète. Ça doit être tellement cool de voyager dans l'espace. Wouah ! J'ai trop hâte de jouer. Je peux peut-être convaincre Andy de l'acheter avec son salaire de livreur de journaux. Ça vaudra des centaines de dollars un jour. J'ai réussi à faire 3-1 en une partie. Je suis le barbe le plus nul de tous les temps. Je dois me faire de la corne aux doigts. Continue de faire des home runs comme ça, George, et t'entreras dans la légende. J'irai plus vite en décollant les étiquettes et en les remettant à la bonne place. J'ai encore mal aux doigts à force de marquer les pages. Je sais que c'est pas comme ça qu'on joue, mais j'en ai marre de mourir tout le temps. Je suis contente de pas l'avoir loupé. C'était un truc de fou! Peter Quill. Peter Quill, debout. Oh, bon sang, Quax. Faut que t'arrêtes de faire ça, mon vieux. C'est bizarre. On approche de la zone de quarantaine. J'ai dormi combien de temps ? Exactement 15 338 secondes. Oui, c'est ultra précis. La traîtresse est prête pour notre mission. Elle veut que tu la rejoignes dans le cockpit. Gamora est dans notre camp, Drax. C'est la fille de mon ennemi juré, une tueuse et une traîtresse. Je ne lui fais pas confiance. Eh ben, essaie, tu veux bien ? On est censé faire équipe. Je ne peux rien promettre.
mortel est le plus gros tas des débris galactiques de tout l'univers connu.